Bon, déjà, on est dans une ambiance un peu particulière parce qu'on est déjà dans des sièges baquets quand même, avec des harnais, un moteur qui fait un bruit de moteur de course, une voiture extrêmement rigide. Sacrée voiture. Là, on commence à arriver dans des autos je dirais, où on met un train de slick et ça commence à mettre du gros. Donc une voiture sans compromis qui clairement est très typée piste, voiture rigide, très directionnelle. On prend un petit peu de mouvement dès que les pneus de route chauffent, mais sinon c'est une voiture qui est extrêmement calée. La boîte, c'est extrêmement précis, c'est rapide, sans être extrêmement brutal, et ça freine super fort. Et c'est la voiture de course roulable sur la route.